40 techniciens attendaient sous le pont de Brooklyn. Avec Naomi, on ne sait jamais. Mais elle peut venir, m'avait confié sa secrétaire. Naomi, c'est l'enfant star. Célébrée, gâtée, infernale, drôle, fantasque. À l'image de son héroïne Josephine Baker, mais tout aussi fragile. Irrésistible, je le promets. Bon, de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon, de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disant langue, en voyant notre mineur. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. Je n'ai jamais fantasmé sur le fait d'être une star. Je voulais devenir une grande danseuse. Ça ne s'est pas fait. Mais qui sait? Josephine Baker était une référence pour moi. D'abord, on est du même signe. Je suis Gémeaux et les gens qui la connaissaient disent que j'ai une personnalité très semblable à la sienne. Et puis je suis noire. Ça m'a permis d'être pressentie pour jouer son rôle dans 3 films, dont un seul a été tourné. Et puis j'ai travaillé pour l'édition italienne de Vogue sur l'histoire de Josephine Baker, qui est à l'origine, je crois, du regain d'actualité de Josephine Baker. Je ne sais pas si j'ai envie d'être une actrice. J'ai juste envie d'essayer, mais je ne mise pas tout là-dessus. Je reçois des scripts. S'ils sont bons, j'accepte le rôle. Et sinon, je me contente de les lire. Ça ne peut pas faire de mal. Si ça se fait, ça se fait. Mais pour moi, ce n'est pas un impératif. Ce sont les gens qui s'imaginent que les mannequins deviennent actrices à la fin de leur carrière. Certaines le deviennent, d'autres pas. Some get to be and some don't. Oh, Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien. Best location. C'est the best location dinner lunch I have. What? Yeah. Did you fart? Yeah. No, give me this one, right? Aujourd'hui, je suis en couverture de Time Magazine, mais je ne sais pas l'effet que ça fait. C'est trop frais pour que je puisse en parler. Ça date de quelques heures. It
Mais c'est une plus grande satisfaction que de faire n'importe quelle couverture de mode. Je croyais que je ne ferais pas mieux que l'édition américaine de Vogue pour ce qui est des magazines de luxe. Mais Time Magazine, c'est mieux. Ok. I just promise. Derek, come get down.